Bonjour tout le monde, nous sommes mercredi, oui, mercredi, mercredi 27. Je vous reprends, il est 5h30. T'as déjà appris tes leçons? Je viens de donner à Evan des directives pour ses devoirs, etc. Et le blague qui revient déjà avec le cahier de leçons. Mais il n'a même pas encore ouvert le cahier, comment il fait pour savoir les leçons? Bref, je vous remettrai ici ce matin, c'était la folie. Il y avait de la neige, de la neige, de la neige. Une vraie galère pour aller au travail, tout ça. Enfin, je vous ai filmé. Bon, ça dure pas longtemps. Oh, surprise! Neige! Je tiens sur la route en plus. Oh, puis neige bien. Bon, je vais pas vous refaire le coup. Oh, on est sur la neige, machin! C'est fou, là il y a même pas un centimètre, donc c'était juste pour la blague. Voilà, je vous laisse, je vais quand même faire attention je pense à certains endroits parce que, ah ouais là il y en a plus que devant chez moi là. Là il y a un petit centimètre quand même, bah, je savais pas du tout qu'il allait neiger quoi. C'est fou ça, c'est fou toute cette neige qu'on n'a pas eue depuis, je pensais qu'on n'en aurait plus jamais quoi de la neige, en tout cas cet hiver. Franchement, le confinement du mois de mars, tout ça, ça a quand même fait changer les températures, ça a fait changer le climat. Hein. On ne dira jamais le contraire, moi j'en suis persuadée. Quoi. J'en suis persuadée. Le fait que dans le monde entier, il y ait beaucoup moins d'activités, moins de roues, moins de gens qui prennent la route, etc. Les transports, tout, ont été vachement réduits à cause du virus. Je suis sûre que ça a fait revenir le climat, parce que de la neige, ça faisait 10 ans qu'on n'en avait pas eu, quoi. Et pourtant, on est dans une grande région, enfin, on est dans l'est de la France, quoi. Température négative, cet hiver, ça ressemble à un hiver. C'est pas non plus un vrai hiver. Mais ça ressemble quand même beaucoup plus à un hiver et on n'avait pas eu ça depuis 10 ans quoi. Un vrai hiver quoi. Donc ça on m'enlèvera jamais l'idée que. Qu'est-ce qu'il y a monsieur? Tournez, vous avez peur? Bah, donc on m'enlèvera jamais l'idée que c'est à cause ou à grâce, je sais pas trop comment faut dire ça, mais grâce au virus qu'on a de nouveau un climat normal quoi. Bon allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bon, je suis bien arrivée au travail, par contre là ça tient bien plus, il neige de fou. Il neige de fou. La vraie misère sur la route, en fait. Même sur l'autoroute 80, c'était le grand, grand maximum qu'on pouvait rouler. Franchement, c'était la folie. Allez, j'arrive au... Ah, ma carte. Allez, je vous laisse. Je vous dis à ce soir. J'ai un doute. Je me demande si j'ai pas... je crois que j'ai bien ouvert ce vlog lundi. Hein. Hier, c'est sûr, je vous ai pas filmé. Mais il me semble que lundi, j'ai filmé. Hein. J'ai un doute. Sinon, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mercredi. Je vérifierai. Je vous avoue que j'ai des gros soucis avec les cartes. Et c'est encore, encore, encore. Donc, c'est bon. Je les ai toutes. Enfin, pas toutes. Il y en a deux que j'ai. J'ai trois cartes. J'en ai, il y en a deux que j'ai complètement formatées. Je ne veux plus l'entendre parler. Et puis on part à zéro. Sinon, j'ai reçu plein de petits. J'ai acheté plein de choses. Je me suis acheté des petits livres. J'ai fait des commandes sur AliExpress, je vais vous montrer parce que j'ai fait 4 commandes, j'en ai reçu 2 pour l'instant, normalement les 2 autres devraient arriver en fin de semaine. Je me suis enfin acheté un agenda également, il y avait un gros problème, je sais pas quoi, tout était en rupture au niveau des agendas que j'avais l'habitude de prendre, donc c'était un peu la misère. Donc je vous avoue que je fais tout sur des carnets, etc. Mais une vraie plaie parce que je vous avais dit, moi j'ai repris l'habitude de tout planifier sur agenda et c'est tellement plus facile. Et là c'était un peu la galère. Je vous montre d'abord les livres que j'ai achetés. Je vais ouvrir mes colis parce que j'en ai reçu 2 encore aujourd'hui. J'ai acheté tous mes livres sur Amazon, je vous mettrai le lien de tous les livres, mais si vous voulez les acheter à la Fnac ou ailleurs, vous pouvez très bien les acheter ailleurs. Voilà. Moi, comme je vous dis, je les ai achetés sur Amazon, 4 livres. C'est des livres un petit peu... y a des petits livres, vous allez voir, des trucs rigolos. Donc le premier, j'ai acheté ça, j'avais envie de rigoler. J'avais déjà le premier tome, c'est la femme...
La femme est une connasse, je sais plus quoi. Enfin, le premier livre, j'avais adoré. C'est un petit livre, voilà, tout rigolo. Et là, c'est La mère parfaite est une connasse. Je vais vous lire un ou deux petits trucs, juste comme ça, pour... voilà. Après, je peux pas vous lire tous les trucs du livre, hein, pour les droits d'auteur. Par exemple, là, règle numéro 11. Quand on nous demande ce qu'on écoute en ce moment, on évitera de répondre « Choupi, le musical ». Règle numéro 8, on ne touche pas le ventre d'une femme enceinte sans son consentement. En fait, on ne touche personne sans son consentement. Je trouvais ça rigolo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Phrase de connasse qu'on entend quand on allaite. Tu es sûr que ton lait est assez riche, qui est de bonne qualité? Tu sais, ça sert à rien d'allaiter 3 semaines et encore plus frustrant pour lui. Aujourd'hui, avec la pollution, ton lait est peut-être empoisonné et tu peux empoisonner ton enfant, c'est ça? Ok. Et puis les phrases quand elle n'aide pas. Et donc, tu ne vas pas le nourrir? Tu sais que selon les études, blablabla, blablabla, le lait industriel, c'est un poison. C'est le lobby du lait qui nous fait croire que c'est bon. Donc en fait, quand elle aide, c'est pas bon. Mais quand elle aide pas, c'est pas bon non plus. Donc j'adore. Voilà. Donc il y a plein de lait. Il est petit comme ça, mais il y a plein de trucs à l'intérieur. Il y a plein d'histoires, etc. Donc j'avais envie de passer des fois des moments fun et rigolos. Et celui-là, je tombais par hasard dessus et je le trouvais excellent. Voilà, c'est excellent. Surtout quand on est mère ou quand on a envie d'être mère, je le trouve excellent. Je me suis pris ça, Animal Crossing. Je l'ai même acheté à ma nièce parce qu'elle a eu Animal Crossing pour son Noël. Bon, et elle galère beaucoup, la pauvre, donc j'essaye de l'aider comme je peux, mais c'est pas simple. Voilà, c'est pas simple parce qu'on fait tout par internet, nanana, je me connecte, nanana, c'est pas simple pour elle, la pauvre. Donc j'essaye de l'aider au maximum, mais voilà, je suis tombée là-dessus. Je suis sur un groupe Facebook Animal Crossing, hein, voilà, parce que depuis le mois de mars l'année dernière j'y joue, même si j'ai eu des périodes où je jouais plus, etc. C'est quand même un jeu que j'aime beaucoup. Je me suis acheté ce petit livre, voilà, hyper sympa. Apparemment j'ai lu 2-3 pages et il y a des choses que je peux apprendre, où il y a par exemple, vous avez des, voilà, des tous les objets qu'on peut avoir pour telle et telle compétition, ou dans chaque, par exemple là, dans Gulliver, le capitaine pirate, bah voilà, voilà, tous les objets qu'on peut avoir, et ça peut être sympa de checker, de voir ce qu'on peut avoir, etc. Donc, il y a quelques petites astuces, etc. Par exemple, les sculptures, les vraies, les fausses, etc. Donc ça c'est pas sympa. Après, c'est tout des trucs que vous pouvez trouver sur internet, mais des fois de l'avoir en livre, où je sais que comme ma nièce, bah, internet elle peut pas avoir accès, parce qu'elle est un peu petite encore, pour checker sur les réseaux sociaux ou sur Google, bah, ce genre de petit livre, je me suis dit que c'était sympa. C'était pas très cher, c'était 8,90€, et il est coloré, et bah, il est sympa, voilà, il est sympa. Voilà, petit livre encore. Sinon, on va parler nourriture. J'ai acheté deux livres nourriture. Donc un, voilà, le super facile dessert et Cake Factory. Voilà, vous savez que j'ai reçu le Cake Factory. D'ailleurs, je crois que je ne voulais même pas montrer en vlog ni rien. J'ai fait qu'une recette pour l'instant dedans. Faut que j'en fasse plusieurs et j'ai plein d'idées recettes. D'ailleurs, celui-ci il a l'air trop bon. Et il m'avait l'air hyper sympa. Il y a des petits gâteaux faciles dedans. Gâteau au fromage blanc, il y a la fleur d'oranger. Gâteau moelleux aux agrumes. Donc voilà, il y a des photos avec les petites recettes, etc. à l'intérieur. Et bah, il m'avait l'air sympa. Voilà, cœur coulant, vanille praline. Voilà, donc un petit livre, il était à 6,95€, franchement il n'est pas cher. Donc bah, je vais le checker, puis je vais essayer de... Je vais me noter tous les petits gâteaux qui ont l'air sympas, et on fera ça au fur et à mesure, je vous montrerai en vlog. Je sais pas quand, peut-être que dimanche je ferai un petit gâteau ou Cake Factory, je vous montrerai... Ben non, je vous montrerai pas en vlog du coup, où j'essaierai de filmer, et puis j'essaierai de vous l'inclure pour la semaine prochaine. Et dernier livre de nourriture, et là c'est un livre d'un youtubeur. J'achète très très peu de livres de youtubeurs, youtubeuses, influenceurs, etc. Je crois que les seuls que j'ai achetés, c'était ceux de Cici Mua. Je crois que je les ai tous achetés. Elle en a fait 4 ou 5 des livres, 4. Je les ai tous achetés parce que je l'adore, etc. D'ailleurs, je fais son programme sur l'application Trend With Me, etc. Donc franchement, j'adore. Je la trouve, elle est restée simple, etc. Franchement, elle est super cool. Et là, j'ai craqué pour celui de Fatboot
Fast Good Cuisine. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez, il fait aussi sur Instagram mais beaucoup sur des vidéos YouTube de nourriture, etc. Il fait des crash tests de nourriture un peu, pas du tout healthy, mais il s'est mis au sport depuis quelques années et il a fait une transformation de dingue. Et là, c'est un espèce de chef cuisinier et là il propose des recettes faciles et gourmandes. Et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc là il y a tout, il y a du petit déjeuner, du sucré, du salé, des petits déj pour le goûter également, papillotes aux olives et au saumon par exemple, et c'est rapide à faire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ah oui, ça avait l'air bon, ça, un rice bowl avocat œuf. Voilà, ça a l'air super bon, ça c'est le genre de truc que moi j'adore. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en petit déjeuner? Ananas goji et grenade par exemple. Il faut que ce soit la saison, mais voilà, banana et blueberry bread. Voilà, un banana bread avec des blueberries, ça a l'air trop bon, ça. Oui, vous voyez, plein de petites choses comme ça, riz et poulet d'épices. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que voilà, mais franchement il coûte 14,90€, il coûte pas cher. Je l'ai acheté sur Amazon également, et premier youtubeur français, et franchement je l'adore. En plus il est super sympa et tout, enfin en vidéo tout ça, il est resté simple malgré tous ses millions d'abonnés, mais voilà, je voulais vous partager ce petit livre, mais franchement il a l'air super cool aussi. Pareil, je vais checker les quelques recettes et puis je vais essayer de me faire des menus comme ça la semaine pour toute la famille. Le craftelier, donc je me suis pris un agenda, donc en mini agenda parce que c'est impossible d'en trouver. Donc, comme je prenais les Happy Planner, du coup, j'ai pris de chez Mr. Wonderful, j'ai pris un mini agenda. Voilà. Alors, c'est pas super, super pratique parce qu'au niveau des stickers, tout ça, là, je vous montre. Voilà, là, je vous montre une semaine comme ça. C'est pas super pratique, je trouve. Mais c'est assez petit pour pouvoir noter quelques petites choses quand même. Donc, voilà, je me sers de ce petit agenda en mini agenda à la place de mon mini. Happy Planner, malgré que je préférais, mais bon. Et voilà mon agenda de la semaine. Il est trop beau. En plus, les petits anneaux sont en une espèce d'alu violet comme ça. Il est un petit peu sur les étoiles. C'est trop mon kiff. Trop mon kiff. Voilà. Et il se présente comme d'habitude, il se présente comme ceci. Vous ne voyez rien en fait. Je pense que je le présenterai plus en détail sur Instagram en ligne. Je ferai un petit reels, je pense, ou une petite vidéo, et je le présenterai sur Instagram plus en détail avec toutes les pages, etc. Donc ça c'est la page du mois. Et les pages de la semaine se présentent comme ceci. Vous savez, comme d'habitude, lundi, mardi en colonne. Voilà, c'est en vertical, lundi, mardi, mercredi, mais c'est pareil avec trois cases, et du coup je peux mettre mes stickers, tout ça, bref, mon petit délire. Voilà pour le calendrier de l'année. Bon, on est déjà fin janvier, donc janvier c'est mort, mais au moins pour février jusqu'à décembre, je vais enfin mon agenda. Et pour le reste, je vous montrerai plus tard, voilà. Donc je vais vous laisser et je vais faire réviser Evan. Bonjour tout le monde, nous sommes vendredi, il est 17h40. J'ai fait quelques courses chez Grand Frais. J'ai rien acheté d'extraordinaire, j'ai acheté des bananes, des clémentines et des yaourts, mais le fameux yaourt, vous savez, à la myrtille et le coco, et de la raclette, enfin le fromage à raclette, des pommes de terre et de la charcuterie qu'on fera, c'est prévu pour dimanche midi. Du coup j'avais envie de manger ça, donc on fera ça dimanche midi. Voilà, tout simplement, pour ça je ne vous ai pas montré, parce que là, c'était ridicule. Et c'est la course, et là, il est 17h40, quoi. C'est juste, hein. Evan, il fait un tout petit peu ses devoirs, normalement, le vendredi, il ne le fait pas, mais comme demain, ça va être la course, demain matin, il y a théâtre, après, je l'emmène chez le coiffeur, j'espère juste qu'ils auront de la place, parce qu'il a besoin d'aller chez le coiffeur, et en plus, là, je pense qu'on ne faudra pas attendre avant que les coiffeurs ferment. Et puis après, j'ai mon ménage à faire. L'aspirateur est fait, c'est bien, avec le robot aspirateur. Au moins, ça, c'est fait. Donc, le papa,
l'a lancé aujourd'hui. Voilà, donc comme il était à la maison, il a pu le lancer. Donc demain, j'aurai juste à laver. Et puis, il faut que je nettoie ma salle de bain, mes WC. J'ai des lessives à faire. Mais demain matin, je suis déjà prise par Evan. Donc, je pourrais rien faire. Et après, j'ai mes beaux-parents qui viennent pour l'anniversaire du grand. Voilà. Donc, c'est pareil. J'ai encore les cadeaux à emballer pour le grand. Je lui ai pris donc un sweat chez Bisbee. Et puis, un petit sweat gris. Et c'est ça, un gilet ou un sweat que je lui ai pris. Un sweat, je crois que c'était un sweat gris. Et je lui avais pris déjà pour Noël un sweat écrit nasal. Alors, vous savez, c'est tendance, tous les jeunes ont ça. Voilà, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Et puis, je sais qu'il aime les sweats à capuche. Donc voilà. Et je lui ai pris une carte cadeau Fnac, à la Fnac. Comme ça, au moins, il pourra s'acheter ce qu'il veut. Voilà. Et quand il veut, il a un an pour l'utiliser. Et puis c'est tout, donc demain ça va être la course. J'ai aussi une vidéo à tourner demain. Et j'aurai aussi le montage vidéo de ce vlog qui va être assez court je pense. Demain je vous montrerai, j'ai reçu tous mes colis à AliExpress. Mais vu la luminosité là, clairement, je vous montrerai tout demain. Oui c'est ça, j'ai tout reçu. Je vous montrerai tout demain parce que là, je vais vous montrer, il y a des stylos, il y a des trucs de couleurs, vous n'allez rien voir. Donc je préfère vous filmer tranquillement demain. Je sais pas quand en fait. Je sais pas quand. C'est vrai que cette histoire de théâtre le samedi matin, ça pourrait un peu. Et puis il faudrait que je retourne chez Trucmuche là pour envoyer, pour redonner mon t-shirt qui est mon pull qui est abîmé. Ça me gonfle de retourner juste pour ça quoi. Déjà que j'aime pas faire les magasins. Le pull que j'ai été, faut que je renvoie, faut que je redonne un truc. Ça me saoule. En plus, quand je vous ai fait hier la semaine dernière le haul, donc je vous avais dit il manquait les boutons m'étaient arrachés, tout ça, mais j'ai même pas vu. C'est qu'en plus je me suis dit bon, à la limite, je peux peut-être trouver des boutons identiques, etc. Et puis les recoudre. En fait, je me suis trompée de taille, j'ai pris trop grand. Donc clairement, non, je peux pas le garder. Parce qu'au départ, je me suis dit, oh, bah, je vais essayer de trouver des petits boutons, et puis je les rajouterai. Mais en fait, je me suis trompée de taille, donc laisse tomber. Tu fais tes leçons maintenant ? C'est déjà fait. Les leçons ? C'était quoi les leçons ? Bah, fallait déjà. Donc, c'était le verbe pouvoir et vouloir au présent. Ouais. Et sinon, c'était les noms communs et les noms propres. Ok. Donc. Bah, tu fais une fiche ? T'avais pas une fiche à faire là ? Si, la lecture fiche. Ah bah, fais la lecture fiche. Sinon, les deux autres exercices. Ah non, en fait, il n'y avait qu'un seul truc. Il n'y avait pas d'autres exercices. Donc, il s'avance. Et puis après, après l'affiche, tu me rangeras ta chambre. Oui. Voilà. Et moi, je vais continuer aussi à ranger. On a fait le tri dans ses jouets. Il y a plein de jouets qu'il ne veut plus. Puis voilà, parce qu'il est grandi, il y a plein de jeux qu'il ne veut plus. Donc, il faut que je fasse le tri. Je vais ranger. D'ailleurs, vous allez venir avec moi avant ma séance de sport. Qui commence dans 15 minutes. Bon, elle va commencer un peu plus tard parce que je crois que la séance dure 35 minutes, je crois. Oh, j'ai un message. Ah, j'ai un colis qui arrive. J'ai passé des commandes. J'ai dépensé un petit peu d'argent cette semaine. J'avais envie d'acheter 2-3 trucs. Bon, je vous le montrerai la semaine prochaine, hein, de toute façon. Où est mon truc de sport ? Là. Là, là. Application WeTrain. Hop. CardioX. Voilà, CardioX. Et on arrive à la dernière séance de la semaine 3 quand même. Semaine 5, donc 2, 3, 35 minutes plus 10 minutes d'échauffement. Donc ça va, je pourrais commencer d'ici une demi-heure. Voilà, puis on est vendredi, il n'y aura pas trop pressé pour faire à manger. Qu'est-ce que je voulais dire, ouais, donc je vais ranger, il faut que je range aussi mon bureau, que je vous montrerai l'état de mon armoire, mais c'est juste j'ai honte et je fais que procrastiner et je repousse l'échéance, mais en fait il faut que je la vide complètement et que je range. Et puis là par terre pareil, j'ai plein de petites boîtes, des trucs, il faut que je range. Bref, c'est pas en vous le disant que ça va se ranger tout seul. Donc on va ranger déjà. Je vais ranger au grenier. J'ai pas fait les photos, faut que je les vende. En fait, les jouets, il faut que je fasse le tri. Parce qu'il y a des trucs.
Les jouets sont en bon état. Et donc, il faudrait que je fasse des photos pour que je les mette en vente. On va aller faire ça. Bon, le temps que la lumière elle s'allume. Donc voilà. Voilà, il y a tout ça qui joue plus. Donc le Super Sand. Et il y a plein de trucs à bulles qui sont neufs. Vous voyez, il y a des trucs qui sont neufs. Même pas déballés. Des trucs à bulles, même pas déballés. Donc ça, je vais vendre. Et puis il y a des jeux comme le Yeti, plein de jeux différents. Voilà, des petits jeux de société. Qui veut plus. Donc ça, je vais ranger dans le grenier. Et puis je ferai des photos pour essayer de vendre tout ça. Allez. Puis j'ai deux, trois petits trucs aussi à jeter. J'ai plein de trucs par terre. Puis il y a un petit sac avec mes boîtes. Faut que je range. Faut que je range tout ça. Bon, ça je laisse. Et puis voilà. Et puis mes petites figurines aussi. Mon petit coin. Et puis Ivan aussi, à part son linge. Sinon, ça va, c'est rangé. C'est à peu près rangé, mais bon. Non, toujours que je retourne à Ikea pour lui racheter un meuble, tout ça. Comme je vous avais déjà dit là. Cette espèce de bibliothèque, là, je vais lui racheter une petite bibliothèque ici. Une vraie. Pour pouvoir enlever les livres ici, lui redonner une caisse pour pouvoir ranger toutes ses figurines et tout ça. Ouais, et ça fait joli, regarde. J'ai le vertige. Oh non. Oh, ouf. J'ai m'écraser contre le sol. Tu finis, tu ranges encore hein, tout ce qui traîne par terre. Oui. Je vois qu'il y a même des Lego, je sais que sous ton lit il y a des trucs encore. Ouais. Tu rangeras en bas aussi, hein, la table de la salle à manger. Hein. Oui. Et allez, je te laisse terminer. On oui. Bon. 18h05. Zéro motivation, mais bon. Allez, on continue de ranger. Ça a été assez vite là, mais j'ai encore le bureau à ranger un peu par terre. J'ai 2-3 boîtes à ranger. Allez, let's go. Bonjour tout le monde, nous sommes samedi matin. La coupe de cheveux, mon Dieu. Je suis trempée, il pleut à mort. Et malheureusement, le parapluie qu'on a eu en cadeau par ma société, vous savez, à Noël, là, on a eu tout un pack avec un beau parapluie que j'ai mis du coup dans la voiture parce que j'avais plus de parapluie. Et c'est vrai que du coup, je n'utilise pas beaucoup de parapluie, mais là, j'en aurais eu bien besoin. Et ben, il marche pas, voilà, j'ai tout essayé pour l'ouvrir, impossible de l'ouvrir. On adore. Donc voilà, je suis trempée. J'ai été, donc là, Evan est à son cours de théâtre et j'en ai profité pour faire finalement mon retour. Primark, vous savez, et finalement j'ai alors je voulais juste faire un retour et finalement j'ai fait un échange, j'ai réussi à retrouver le même à ma taille cette fois-ci, hein, voilà, taille S, et avec tous les boutons, parce que je lui ai dit que tous les boutons étaient arrachés, etc. Donc là voilà, et j'ai tout vérifié. Elle me dit, vous avez bien vérifié? Je dis ouais, cette fois-ci j'ai bien vérifié, donc il manque aucun bouton, voilà. Et puis finalement la couleur, je l'aimais bien, donc pour 7 euros, voilà, je l'ai repris. J'ai juste fait ça, il a fallu faire la queue. Il y a des restrictions maintenant au niveau des entrées, du nombre d'entrées. Ils font rentrer qu'un certain nombre.
Enfin, j'ai envie de vous dire, hein, il était temps. Je pense qu'ils auraient dû faire ça depuis le début, mais je crois que hier, vendredi soir, il y a notre Premier ministre qui a parlé, Jean Castex, et je crois qu'il va même fermer les centres commerciaux, si j'ai bien compris. À partir de lundi, il ferme. Donc je me suis dit, c'est pour ça que je vais y aller. Il n'y a pas de confinement, mais il va fermer les centres commerciaux et il va restreindre encore plus, je crois, les magasins, enfin pas les supermarchés, alors que c'est là qu'il y a beaucoup de monde. Moi maintenant qui fait les supermarchés, parce que le drive c'est carotte, hein, surtout à 18h, donc ça va être encore plus la misère. Bref, donc là je crois qu'il est moins le quart, il me reste encore 45 minutes avant que Ivan finisse son cours. Quand il a fini son cours, je l'emmène chez le coiffeur. Parce qu'au moins voilà, c'est fait. J'espère qu'on aura pas, il y aura pas trop de monde, pas trop d'attente. Il sera 11h30, il sera midi moins le quart. Après on rentre, il faut que je fasse encore à manger, voilà. Et puis après je finis mon ménage. Alors ce matin je me suis levée, il était 8h moins le quart je crois. Et 8h30, j'étais déjà en train d'attaquer ma salle de bain et mes WC, tout ça. Donc, tout est nettoyé, ma salle de bain de fond en comble, tout ça, mes WC. Donc, ça, c'est fait. Et donc là, normalement, début d'après-midi, avant que tout le monde arrive, enfin, tout le monde, mes beaux-parents et mon beau-frère qui vient. Du coup, on sera 6, 2... 4, 5, 5 adultes, ce sera 5 adultes, ouais, c'est ça, 5 adultes. Et bien, au moins, j'ai juste à laver en début d'après-midi, là, voilà, et donc le sol. Et puis, voilà, ça sera fait, tout est nickel. J'ai déjà aussi lancé une machine ce matin, enfin bref, avant 9h30, j'ai carburé à mort, je vous raconte pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oh, c'est tout, voilà. Donc là, je vais en profiter, je vais répondre à 2-3, chercher mon téléphone, mais il est là. Je vais répondre à 2-3 commentaires sur mes dernières vidéos. Là, j'ai de nouveau des commentaires, donc je vais répondre aux derniers commentaires. Ça va me faire passer le temps. Et je vais attendre qu'Evan y finisse, voilà. Et puis, je vais sécher un petit peu dans la voiture. Là, pas mal de buée, je parle, et puis il pleut. Voilà, ça fait un peu chien mouillé. Ah, et j'ai ma vidéo aussi à faire. Je sais pas du tout, du coup, si j'ai le temps cet après-midi, en début d'après-midi, à faire ma vidéo. Du coup, je me suis pas maquillée parce que je savais que j'allais prendre mon masque et tout ça. Donc, si c'est pour enlever tout le maquillage qui se trouve ici, ça sert à rien. Du coup, là, je suis pas maquillée, mais je me maquillerai en début d'après-midi. J'essaierai. Je voudrais vraiment réussir à faire cette vidéo au moins début d'après-midi. Donc, ouais, je fais ça. On rentre. Il faut que je fasse à manger. Après manger, je lave. Tout le rez-de-chaussée, et après le salon, salle à manger, tout ça je lave, et après et j'essaye de tourner la vidéo avant qu'ils arrivent. Croisons les doigts, c'est la folie. De toute façon, aujourd'hui je vais pas vous filmer grand chose, hein. C'est l'anniversaire du grand, donc c'est cadeau emballé aussi. J'ai rien emballé, j'ai tout reçu. Ah, et puis j'ai plein de colis aussi qui devaient arriver aujourd'hui. Je sais pas s'ils vont les mettre dans la boîte aux lettres ou pas, sinon je récupérerai lundi seulement. Je vous avais dit que j'avais fait 2-3 achats, mais de toute façon je vous les montrerai. Ah, et puis j'ai aussi ma commande d'AliExpress à vous montrer. Ça va être compliqué, très compliqué. J'aurais dû vous les ramener ici pour vous montrer. J'aurais dû prendre ma caméra si j'avais su. Ça aurait été un haul dans une voiture. Ça aurait été inédit. Franchement, inédit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, bon, après l'écho au niveau du son, c'est pas terrible, je pense. Déjà là, j'essaye de parler assez fort pour que vous puissiez m'entendre correctement. Mais bon. Bref, allez, je vous laisse et puis je vous retrouve plus tard. Bon, je vous reprends. Il est 15h, je vais emballer les cadeaux, parce que voilà, tout le monde va commencer à arriver, et j'ai pas encore emballé ces cadeaux. Donc voilà, je lui ai pris, comme je vous avais dit, un petit sweat chez Bisbee. Bon, je vous reprends, il va être 15h, j'ai pas encore emballé ces cadeaux. Donc comme je vous avais dit, voilà, je vais me dépêcher, je vais emballer ces cadeaux. Comme je vous ai dit, je lui ai pris un petit sweat comme ça, capuche gris. Patriote, voilà, un classique. Et je lui ai pris également une petite carte cadeau que j'ai imprimée, que j'ai mis dans une petite pochette, que je vais lui emballer également. Bah, c'est parti, puis après je vous montre ma commande AliExpress.
Bon, ils y sont arrivés, donc je vais me dépêcher à vous montrer. Donc, j'ai pris des stylos, voilà, j'en ai acheté tout plein. Vous savez, j'utilise beaucoup, beaucoup de stylos, j'aime beaucoup les stylos de couleur. Là, je les ai achetés, c'est apparemment une marque assez connue au Japon. C'est des stylos à billes, pointe fine, c'est des 5 mm. Donc, je voudrais en tester quelques-uns avec vous. J'ai pris un petit carnet et on va tester quelques couleurs. Le violet là, oh, il fonctionne plutôt bien. Et oh, voilà, voilà ce que ça fait. Hello, ils écrivent super méga bien. Puis ils fonctionnent bien. Ouais, ils fonctionnent super bien. C'est la gamme vintage par contre que j'ai pris. Vous pouvez le voir écrit ici. Et donc, il y a des couleurs hyper sympas. Vous pouvez voir là. Voilà, ceci, plus traditionnel. Ceci, j'aime bien aussi les couleurs orange. Là, celle-ci aussi, j'aime bien toutes ces couleurs-là. Hello. Voilà. Franchement, super, super bien. Je referai peut-être un petit. D'autres tests, mais franchement le top, j'aime beaucoup, et pour prix franchement je les ai pas payés cher, hein, vous imaginez bien sur AliExpress. Sinon AliExpress j'ai pris autre chose, et j'ai pris un tampon pour faire la cire, un cachet de tampon, voilà, comme ceci, avec estampillé. Ah. Et donc j'ai pris ce qu'il fallait, j'ai pris un petit mélange de cire comme ceci, et il faut que j'en achète d'autres, mais là j'ai voulu déjà prendre ça pour pouvoir tester. J'avais déjà tout le matériel quand j'étais adolescente chez mes parents, mais tout a dû rester là-bas ou je sais pas où c'est. J'ai voulu me racheter une petite cuillère pour faire chauffer, vous mettez la cire à l'intérieur. Et vous faites chauffer. Et après, vous versez sur votre feuille. Et après, pof, vous venez mettre le tampon. Et donc, j'ai pris le petit plat pour faire chauffer. Voilà, comme ceci. Donc, vous mettez un chauffe-plat en dessous. Et votre cire. Et vous faites chauffer comme ça la cire tranquillement avec le chauffe-plat. Je vous montrerai, je pense, dans un prochain vlog, comment ça marche. Voilà, là, j'ai pas le temps, je suis désolée. Bon, ce fut le haul le plus rapide du monde. Là, il faut que je range. Ils sont arrivés, donc il faut que je vous laisse. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent dimanche. Et je vous dis donc à très très vite pour une prochaine vidéo.